Il faut rentrer parce que ça va être rigolo un peu quoi. Estafla. Salut, 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 salut le Mali, salut la diaspora malienne, malien, assalamu alaikum, au bismillah, à nos balmakenoka soldats, ibabokum, kolongono bamba, d'après Bouafané, États-Unis, Diamana Kaya, Denver, Colorado, Kono, la folie bébé, salut à toute l'Afrique, bon réveil à tous les Africains, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora africaine. Et permettez-moi de rire. Parce que qu'est-ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Parce qu'il est minuit chez moi. Donc, moi, je dirais hier. Qu'est-ce que j'ai vu hier, jeudi, sur les réseaux sociaux? Vraiment, ça fait rire. Mais avant, je vais dire Juma Mubarak à tous les musulmans. Aoubé Folendo, Juma Baina. Alaka Juma Barkaka Kaira, Yarabi. Alaka Afrique Baski. Que Dieu vraiment ramène la paix dans notre sous-région, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Et ce que je veux dire, c'est rigolo, hein? J'ai regardé quelque chose sur les réseaux sociaux ce jeudi, hier jeudi, 31 août 2023. Hier, je dis bien hier jeudi. Je sais qu'on est déjà le 1er septembre 2023. Donc, qu'est-ce que j'ai vu hier jeudi? Ça m'a fait rire, rire, rire. Le seul problème est que moi, je ne suis pas très bien en français parlé. Je ne suis pas comme l'Hadji Chérif ou bien Zoulou de Bogota. Et qui ça sait, il parle français. Ouais, les Ivoiriens, vraiment, c'est très grave, quoi. Vous êtes très fort. Parce qu'il y a des choses qui se passent ici. Ah non, il faut les Ivoiriens. Et je salue vraiment les activistes ivoiriens ici ce matin. Je salue vraiment les braves de RHDP. Ça, c'est les grands. Ça, c'est les grands de la Côte d'Ivoire. L'Hadji Chérif. Et puis, mon ami et frère Zoulou de Bogota. Ben, écoutez, il y a tant d'autres. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas tous les noms. J'aimerais bien avoir un contact avec tout le monde. Parce que j'ai regardé un jeune aujourd'hui, je n'ai pas retenu son nom. C'est lui qui m'a fait rire beaucoup. Parce que lui, il a joué les intellectuels camerounais, ou bien je ne sais pas, des journalistes camerounais, qui étaient dans un débat. Ils étaient au milieu d'un débat sur une chaîne de télévision, ou bien une table de cyberactivistes. Je sais pas. Mais quand même, c'est des Camerounais intellectuels apparemment qui sont là, tous instruits plus que moi. Moi, je ne suis pas instruit, je vous apprends ça déjà. J'ai appris le français dans la rue, auto-éducation. J'ai été à l'école, mais je n'ai pas beaucoup avancé. Donc, je n'appelle pas ça étudier parce que je ne suis pas sorti avec un diplôme comme les vôtres. Mais quand même, qu'est-ce que je sais dire en français? Je crois que vous allez me comprendre. Non, j'ai ri aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup ri. Et c'est réellement rigolo de voir des Camerounais assis en débat, en train de transpirer. Ils sont au sérieux. Ah, l'Afrique est devenue un continent très méchant. Les Africains sont devenus très méchants, très égoïstes, très malhonnêtes, très sanguinaires.
les Africains, qu'est-ce qui nous arrive? On n'a qu'à quitter ici. On n'a qu'à quitter ici, on n'a qu'à avancer. Ce que j'ai vu, ça m'a fait rire. J'ai beaucoup ri. Franchement. Parce que, pourquoi j'ai ri? Demandez-moi pourquoi j'ai ri d'abord. J'ai ri parce que je connais un peu l'histoire du Cameroun. Tous les Africains savent qu'est-ce qui se passe exactement au Cameroun. Et voir des soi-disant intellectuels camerounais assis en train d'inciter les militaires ivoiriens, maliens, nigériens et burkinabés à un coup d'État contre le régime paisible de la Côte d'Ivoire, ça m'a fait rire, venant d'un Camerounais intellectuel. Ça, c'est rigolo. Connaissant l'histoire du Cameroun, vraiment, ça fait rire. Nous savons tous qu'est-ce qui se passe au Cameroun durant les 40 dernières années. Tout le monde le sait. J'étais très jeune. J'étais très jeune lorsque Paul Biya est venu au pouvoir. Ah, le Cameroun. Pardon, arrêtez les comédies. Parce que Jean-Michel Cancan est décédé il y a longtemps, paix à son âme. Quelqu'un que toute l'Afrique a aimé, le monde entier d'ailleurs. Les Manu Dibango. Hein? Et puis, Roger Milla. C'est le pays de ces vedettes-là, de ces stars-là. Mais maintenant, la comédie est en train de dominer le pays. Parce que on dirait qu'il y a des choses que j'ignorais du Cameroun, hein, je vais le dire franchement. Moi, je ne savais pas que l'État de la République camerounaise avait une armée. Je ne savais pas. Parce que je voyais Paul Biya là-bas, il y a coup d'État partout en Afrique. Rien n'arrive au Cameroun. Mais pourtant, ça ne va pas au Cameroun. Et il y a Paul Biya qui est à la tête de l'État. Donc, moi, je n'ai jamais su qu'il y avait une armée au Cameroun. Et je ne savais même pas qu'il y avait un autre parti politique. Ah bon, il y avait même un opposant camerounais qui est décédé à l'âge de 80 et quelques. Je ne savais pas qu'il y avait un opposant au Cameroun. Je ne savais pas. Les Camerounais sont tellement silencieux par rapport à cette histoire pourrie qui détruit leur pays et tous les continents avec. Et aujourd'hui, je le vois, les intellectuels camerounais, au lieu de se former en parti politique et récupérer leur pays des mains de quelqu'un qui est en train de mourir, qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe au Cameroun, et ils sont assis à table, ils veulent s'attaquer à un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus grand aujourd'hui, malgré leur territoire est trop minuscule. Mais c'est un très grand pays par sa valeur, par sa couleur. Trop de richesses sur cette terre bénite de l'Afrique. Moi, je pensais que les Camerounais allaient être fiers de la Côte d'Ivoire parce que tous les Camerounais qui n'arrivent pas à franchir aller de l'autre côté de l'océan, en Europe ou aux États-Unis, c'est la Côte d'Ivoire qui les soulage. Mais j'ai vu des Camerounais assis qui ont manqué à leur vocation. Et ils s'asseyent, ils insultent la Côte d'Ivoire et ils demandent, ils insistent quoi? Ils veulent un coup d'État en Côte d'Ivoire. Excusez mon français, je vous en prie, parce que je ne suis pas très bien. Mais je vais faire mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour vous faire comprendre, parce qu'il s'agit du Cameroun. Et ils ne comprennent pas Djoula. Sinon, ça, j'ai très bien les moyens de décortiquer ça en Djoula, très bien. Parce que c'était rigolo. Qu'est-ce que j'ai vu en français? J'étais en train de l'imaginer en Djoula, en Mandingo, en Bamanankan, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a rendu très heureux. Ce n'est pas mon sujet de ce matin, hein, mais c'est une introduction, pas comme les autres, parce qu'il s'agit d'un pays qui est déjà détruit. Non, le Cameroun fait rire. Et je demande à la population camerounaise de me pardonner pour ça. Je m'excuse. J'ai beaucoup de respect pour ce pays. Voilà. Quand je parle de Cameroun, je vois un ami d'enfance, de la jeunesse, Gaussou Kanté, de l'armée de l'air, qui vraiment aime ce pays. Il a des parents là-bas. Et je l'ai vu partir là-bas en vacances. Je me posais la question, comment est-ce qu'on peut aller au Cameroun sans prendre un avion? Je ne savais pas à l'époque, on était très jeune, donc moi je ne savais pas. Il m'a expliqué, et puis voilà. J'ai beaucoup de respect pour ce gars, Gaussou Kanté. Salut à toi.
mon fiston. Mais permets-moi de rire de ce pays-là aujourd'hui, parce que le Cameroun est devenu un pays très rigolo. Il y a beaucoup de choses qui font rire. C'est très sérieux. Qu'un Camerounais s'asseye, essaye de dire des conneries sur la Côte d'Ivoire, je suis obligé, en tant que Malien, puisqu'ils ont parlé du Mali aussi, ils ont demandé à la junte malienne, à la dictature malienne, de perpétrer des assauts contre l'État de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a poussé davantage à sortir et leur répondre. Parce que c'est des intellectuels ignorants, en réalité. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête. Un président qui se présente 7 fois, il est là-bas depuis 40 ans. À chaque campagne, il ne vous donne que de la bière, que de l'alcool. Tous les Camerounais sont devenus alcoolisés. Et puis, moi, j'ai un conseil à vous donner. Les pays de l'Afrique qui continuent à manger le singe, il faut quitter ça. Arrêtez de manger le singe, surtout le Cameroun. C'est très grave parce que j'ai vu un documentaire sur le Cameroun. Les gens avec les bras de singe, ils amènent ça à la maison avec fierté, ils mangent ça. Moi, je pense que c'est manger le singe qui vous a saccagé un peu l'esprit. Vous ne vous rendez pas compte que le monde est en train d'évoluer et avancer, mais le Cameroun est toujours en bas. Le Cameroun n'est pas en train de faire un seul pas vers quoi que ce soit. Seuls les Camerounais qui sont partis à l'extérieur aujourd'hui se rendent compte de qu'est-ce qui se passe autour de leur pays, autour de notre continent qui est l'Afrique. Seuls les Camerounais qui sont en dehors du Cameroun se rendent compte à peu près qu'est-ce qui se passe. J'ai du respect pour la communauté camerounaise. Je demande pardon, mais je suis obligé de parler comme ça en tant qu'Africain, parce que c'est les intellectuels camerounais qui sortent, qui mélangent des pédales. Et ils oublient qu'ils ont leur Cameroun à régler d'abord. Donc moi, je vais essayer de les rappeler un peu de qu'est-ce qui est en train de passer chez eux. Tout d'abord, je veux qu'ils arrêtent de manger le singe et qu'ils diminuent l'alcool, surtout la bière. Ça joue beaucoup sur vos esprits là-bas, sur votre tête de Camerounais là. Vous êtes en train de pourrir ça là, quoi. Au lieu de provoquer un coup d'État en Côte d'Ivoire, au lieu de supporter des militaires putschistes en Afrique, qui ne sont même pas dans le même coin que vous en Afrique, vous êtes en Afrique centrale. Nous autres, nous appartenons à la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest. On n'a rien à voir avec le Cameroun. Mais quelque part, nous sommes tous des frères, parce que nous appartenons au même continent. Mais le Cameroun est en train de s'éteindre tous les jours. Vous ne vous rendez pas compte. Occupez-vous de ce pauvre pays que vous êtes en train de perdre entre les mains d'un ignorant, quelqu'un qui est déjà vieux. Il ne connaît rien, il ne se rend pas compte du danger qui l'entoure. Ceux qui ont eu peur là, qui sont en train de faire des remaniements au sein de votre armée, ce n'est pas Paul Biya. À 90 ans, il ne se rend pas compte, il s'en fiche de qu'est-ce qui va l'arriver. Moi, déjà, à moins de 60 ans, je m'en fiche de qu'est-ce qui va m'arriver. C'est l'âge qui provoque ça. Sauf chez les hommes inconscients qui ne se rendent pas compte. Comme Alpha Blondy, le maudit, là, a toujours dit, que tout change. Sauf les inconscients ne changent pas. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dépourvus de leur conscience au Cameroun. Il y a trop de personnes inconscientes sur cette terre-là de l'Afrique. Réveillez-vous. Essayez de vous rendre compte que vous avez besoin de retirer votre pouvoir. Depuis longtemps, vous devrez faire ça. Vous devrez mener ce combat-là. Vous oubliez que c'est le Cameroun qui a de plus besoin de coups d'État que quiconque sur la planète. Vous ne savez pas ça, les Camerounais? Et vous ne voyez pas un autre pays auquel vous pouvez vous attaquer, mais c'est la Côte d'Ivoire, l'espoir de toute l'Afrique noire, le pays le plus capable de montrer l'impossible possible. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. On est obligé de faire de louanges ce pays-là. Les rivaux, les opposants à leur président actuel, les opposants politiques,
ne nous font pas peur. Jamais. Chaque pays d'Afrique appartient à tous les Africains, sans exception. Vous le savez tous. C'est le seul continent dans lequel on ne prend pas de visa. Aux États-Unis, ici, les Mexicains qui font frontière avec plus de combien d'États avec les États-Unis, ils sont obligés de prendre le visa pour arriver aux États-Unis. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que les Canadiens prennent le visa pour venir ici aux États-Unis? Vous ne savez pas que le petit, là, comment il s'appelle? Beaver. Vous ne savez pas qu'il avait été menacé d'être rapatrié chez lui? Vous ne savez pas ça. Vous n'avez pas vu le film, un film dans lequel une femme canadienne était menacée d'expulsion, de retourner chez elle, au Canada, parce qu'elle n'avait plus le visa américain. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que les Américains, même continent, ils sont Américains. Le Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Brésil, Argentine, Panama, tous ces pays-là, Salvador, tous ces pays-là, Colombie et tous, ils ont besoin de visa pour venir ici, aux États-Unis. Vous ne savez pas ça, les Africains? C'est seulement en Afrique que le visa n'existe pas. Au moins, on a ça. Dieu nous a donné ça. Les Africains ont pu conserver ça. Il n'y a pas de visa entre nous. Il n'y en a pas. On demande des séjours à certains Africains parce que les gens sont trop influencés actuellement. Mais quand on est Africain, on est Africain. Quand on est noir, on ne te demande pas les papiers sur le continent africain. Ça, c'est très clair. Même la Côte d'Ivoire qui a essayé avec cette histoire de carte de séjour, ça ne marche pas. Ils peuvent pas. Ils ne pourront jamais. Car la Côte d'Ivoire appartient aux Africains. Tu peux pas. Ton père est malien, ta mère est burkinabé, mais tu es ivoirien. C'est ça l'Afrique. Mais quand je vois les Camerounais qui ignorent que leur pays est géré par un président qui règne depuis les 40 dernières années, ça me fait rire lorsqu'un Camerounais parle avec haine contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est la déception. C'est pourquoi j'ai ri toute la journée. C'est rigolo, ça m'a fait rire. Je n'ai jamais ri de la situation de l'Afrique, si ce n'est pas aujourd'hui. Parce que je suis toujours énervé. Là où je suis, j'ai de la haine, presque, à peu près, de la haine contre la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a été très lente pour résoudre un problème africain, un problème capital. Un enjeu qui est là, un ultimatum. Je devrais rester fâché jusqu'à ce que le Niger retrouve la démocratie, la vie normale, le retour de leur président démocratiquement élu au pouvoir. Avant ça, je ne devrais même pas rire. Mais quand j'ai vu les Camerounais réellement en débat, ils demandent au Mali, au Burkina, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien dans le ventre, qui n'ont rien dans la bouche pour leur peuple à cause des coups d'État, que c'est le Cameroun qui demande à ces pays faibles-là, dépourvus de tout, qui n'ont rien, de venir en aide à la Côte d'Ivoire ou bien aux populations ivoiriennes. Mais vous faites rire. Même les opposants ivoiriens doivent sortir vous répondre, les Camerounais. Les Ivoiriens doivent vous répondre dans leur ensemble. Car ça, c'est une insulte, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Mais c'est les Ivoiriens qui doivent répondre. Moi, en tant que Malien, tu as cité le Malien, vous avez cité le Mali, donc je vais vous répondre un peu. Parce que je vais rire de vous. Vous êtes rigolos. Vous êtes des clowns. Vraiment, Jean-Michel Cancan a laissé des héritiers. Franchement, paix à son âme. J'ai beaucoup aimé Jean-Michel Cancan. Mais je ne pense pas qu'il allait jouer une comédie pareille par rapport au Cameroun. Parce que quand on a de la conscience, on se rend compte tout de suite que le Cameroun doit se réveiller. C'est le Cameroun qui a de plus besoin d'un coup d'État que quiconque sur la planète. Parce que c'est un président de 40 ans qui n'a rien réalisé, qui n'avance pas. À cause de l'alcool, à cause de la viande de singe, je ne sais pas c'est quoi.
qui lui est passé par la tête. Mais l'Iran, son voodoo est très fort. Le Camerounais ne se rend pas compte qu'il est gouverné par quelqu'un qui n'existe pas, presque pas. Paul Biya, il n'existe presque pas. À 90 ans, il s'en fiche de qu'est-ce qui va arriver là. Ceux qui ont pris peur là, c'est pas. Paul Biya ne fait pas partie. Qu'on soit très clair. Lui, il ne sait même pas qu'il est en vie. Donc, il s'en fiche d'un coup d'État. C'est seulement les Camerounais qui doivent se réveiller et se rendre compte qu'ils ont vite besoin de récupérer leur pays pour que la nation camerounaise puisse prospérer. Parce que ça ne va pas au Cameroun. Le Cameroun a vraiment besoin d'une ambulance. Le Cameroun a besoin d'un nouveau président. Le seul opposant est décédé. Il n'y a rien d'autre. Personne d'autre dans ce pays qui peut se réveiller un peu. Vous ne savez rien faire que jouer au ballon, c'est tout. Depuis Jean-Michel Cancan est décédé, il n'y a plus, il y a pas eu de comédien encore. Il n'y a pas d'artiste. Je ne sais même pas s'il y a de la musique au Cameroun, je ne sais pas. Moi-même, j'avais oublié le Cameroun. Parce que les Camerounais refusent de se réveiller pour récupérer leur pays des mains de quelqu'un qui est mort, mais reste en vie quand même. Ça, c'est très grave. Vous avez mal ciblé, hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui ne blague pas, ils vont vous répondre. Les Ivoiriens vont continuer à vous répondre. Moi, j'ai écouté quelques jeunes gens de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils sont en train de vous répondre. Réveillez-vous, les Camerounais. Récupérez votre pays. Arrêtez de boire. Arrêtez de boire, la vie est trop facile au Cameroun. Quand on a une bière, ça suffit. Quand on arrive à boire gratuitement, on est bien. Les gens ne mentent qu'uniquement pour boire au Cameroun. Tout le monde le sait. Il n'y a rien au Cameroun. Pourtant, un pays très riche, mais sans valeur, à cause d'un président de 40 ans qui règne. On dirait que tout le pays est ignorant ou je ne sais quoi. Je ne comprends pas. Guinée équatoriale, c'est pareil. Gabon, c'est pareil. 50 ans de règne d'une famille de bongo. Les Ivoiriens, vraiment, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère contre les Camerounais, ne le faites pas. Parce qu'ils ne savent pas. Pardonnez les Camerounais, il faut les pardonner. C'est de l'inconscience pure et simple. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est en train d'arriver autour d'eux. Le peuple, tous les peuples du Cameroun d'ailleurs dorment. Ils dorment toujours. Ils ne savent pas qu'ils sont gouvernés par un mort. D'autres escrocs profitent de la situation du président Paul Biya. Ils sont en train de s'enrichir. Ils se sont enrichis déjà. Ils se font de l'argent. Et le peuple du Cameroun continue à boire, se saouler la gueule et puis ils vont dormir. Le matin, ils se réveillent, ils ont un petit morceau de singe qu'ils mangent et la vie est belle. Ça, c'est pas ça qu'on a besoin au Cameroun. Quand même, nous voulons le Cameroun que quand Paul Biya était jeune. Mais il a vieilli, il est malade, il est fini, il est pourri. Il est pourri à l'estomac, il est pourri au cerveau, tous les organes, tout ce qui compose l'être humain en Paul Biya est pourri. Il ne vit plus. Vous ne savez pas ça? Cameroun fait pitié. Hein? Moi, je vais quitter ici. Vous, les Camerounais, vraiment. Arrêtez de boire. Hein? Arrêtez de boire. Vous buvez trop. C'est ça le problème de votre Cameroun, là. Vous êtes tous des soulards. C'est ça le problème. Tout le monde boit. Les enfants, les vieilles, les personnes, les vieux. Tout le monde boit. Les fonctionnaires, les politiciens, les prêtres, les hommes de Dieu. Tout le monde est soulard. Ça, c'est très grave. Quittez ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de coup d'État. Le Mali n'en a pas besoin, encore moins le Burkina ou le Niger. C'est le Cameroun qui a besoin de coup d'État. Le seul pays en Afrique qui a besoin d'un bon coup d'État, c'est le Cameroun. Et je suis sûr que ça va arriver dans peu de temps. Parce qu'il n'y a pas de CEDEAO là-bas. Il n'y a pas CEDEAO au Cameroun. Il y a un coup d'État, il n'y aura rien. Personne ne va réagir. Vous voyez le cas du Gabon? Et ça fait rire. Je vois Kémi Séba. Franklin Yamsé, tu me fais pitié, mon frère. Tu me fais trop pitié.
Regarde le pays d'où tu viens. Ça fait rire. Tu dois avoir honte d'être Camerounais, franchement, parce que tu as la gueule sur les autres pays de l'Afrique qui valent mieux que ton Cameroun, qui a un président de 40 ans, inconscient, malade, pourri jusqu'au cœur, qui ne connaît rien de son pays. Et toi, tu es là à bavarder sur les autres pays d'Afrique. Franklin Yamsi, Nathalie Yam. Vraiment, c'est très grave. Vous faites rire. Et aujourd'hui, je vois par rapport au cas du Gabon, je vois aussi les Ivoiriens en train de ridiculiser Kémi Séba. Kémi Séba qui sort, il est en train de faire des mises en garde au cousin du président déchu du Gabon, qui a pris le pouvoir, qui a renversé son propre frère, le général Mwangangi, je ne sais pas son nom. Mais Kémi Séba sort avec sa gueule de chien là, toujours. Il est en train d'aboyer. Il essaye d'intimider le gars là. Qu'est-ce que toi, Kémi Séba, tu peux faire contre le Gabon? Quoi? Qu'est-ce que tu peux faire contre le Gabon? Un pays comme le Gabon, même si c'est un pays cassé, détruit, totalement dépourvu de tout aussi, comme le Cameroun, est-ce que tu peux changer quelque chose au Gabon, Kémi Séba? C'est toi qui vas dire à ce général-là, qu'est-ce qu'il faut faire? De prendre les exemples de Ibé, le vendeur de mangue, et le mangeant de blé, là, Assimi Goïta. Tu veux que le général du Gabon, là, immigre ces deux pauvres-là? Au Gabon, il y a de l'argent. Les gens de chez toi, Bénin, là, ils sont bourrés au Cameroun, au Bénin, là-bas. Ah, comme je veux dire, au Gabon, là-bas, en train de chercher du pain. Tu sais pas ça? Même les Ivoiriens sont en aventure au Gabon. Gabon aussi, c'est un pays spécial en Afrique. Malheureusement, c'est en Afrique centrale. J'aurais souhaité que Gabon se trouve en Afrique occidentale pour beaucoup de raisons. Parce que c'est les Occidentaux de l'Afrique, c'est les gens surtout de l'Afrique de l'Ouest qui envahissent ce pays-là. C'est un pays de valeurs. Kémi Séba, tu penses qu'ils vont écouter à un sale Béninois qui allait faire ses enfants pour putain là en France, comme toi? Tu crois que le Gabonais va t'écouter, toi? Tu lui fais des menaces, des trucs comme ça, pour montrer au russe que tu es en vie, comme si tu es en contrôle de quelque chose, tu es au contrôle de quelque chose en Afrique. Kémi Séba, tu te rends pas compte que tu ne sers à rien, à personne, depuis que le patron de Wagner a été tué, humilié, dans le sang et le feu. Tu penses que tu sers à quelque chose en Afrique, Kémi Séba? On t'a interdit la Côte d'Ivoire et le Sénégal déjà. Là où tu peux aller, c'est le Mali, mais il n'y a rien, tu n'aimes pas là-bas. Tu es allé, tu as sabré le Mali. Tu dis, oh, j'aime le Mali, malgré les moustiques, coupure d'électricité, manque d'eau potable, nous vivons dans le noir, mais j'aime ça plus que la Côte d'Ivoire qui ressemble à l'Europe, aux États-Unis, la Côte d'Ivoire qui est comme de l'Eldorado. Vous faites pitié, les faux panafricains, quoi. Vous faites pitié. Mais c'est la CEDEAO qui est en train de ralentir nos élans. Et si jamais la CEDEAO échoue au Niger, je serai panafricain. Vous avez vu ma réaction aujourd'hui lorsque j'ai commencé à faire attention aux fake news. Vous avez toute l'Afrique à constater la réaction de Iba Boukoum. C'est aujourd'hui que j'ai su que je suis réellement écouté en Afrique. En si peu de temps, des personnalités de tous les pays de la CEDEAO m'ont appelé. Sans exception. J'ai eu un appel de tous les coins de l'Afrique, de l'Ouest. Je me bats la poitrine avec ça aujourd'hui. Je suis satisfait. Mon message passe. Mon message passe plus que celui de Kémi Séba en Afrique. On s'intéresse à moi. Ce n'est pas qu'ils ont peur de ma colère, mais seulement ils veulent que je sois. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'un Africain puisse être en Afrique par rapport aux réseaux sociaux? Comment s'exprimer sur l'Afrique? Ils m'ont montré ça aujourd'hui. Les vrais intellectuels de l'Afrique m'ont parlé. Les patrons de tous les pays m'ont appelé. Quelqu'un de chaque pays de la CEDEAO. Comme s'ils se sont parlé. Iba, calme-toi, ça va aller. C'est pas de nous. Et directement, les messages se sont succédés. Et chaque message disait à Iba que la CEDEAO n'a jamais pris cette décision-là. C'est une décision qui n'existe pas, Iba. Comme on me l'a dit au téléphone, mais je l'ai constaté aussi sur toutes les pages, Kémi Séba.
Tu n'es rien. Continue à te battre au profit des riches, des Iraniens et des Hezbollah. Ah, là, ici, je vais saluer Abdou Niang pour la première fois. Salut Abdou Niang, tu as bien décortiqué ben le cerveau par rapport à leur situation des Hezbollah du Liban. Parce que Ben, c'est un ignorant, il ne sait pas. Ben Tadoko aïe naloma dende. A Tado Hezbollah et mi Abdou Niang. A foye. Wallahi Ben Tado. Nabadon. A ta disu kusini Hezbollah et Malikono. Un mouvement, une organisation la plus dangereuse de la planète, c'est Hezbollah. Les attentats contre les voitures piégées au Liban et à travers le monde. Ben le cerveau ne sait pas ça. C'est un gros ignorant. Allez qu'on y est les ladrons. Adam Nenou Mamoud Diko de Ibeka. Pourti a été a été parce que c'est d'autres ignorants qui sont venus au pouvoir. Ces militaires cons là. Assimi Goïta et sa clique. Et ils n'ont pas d'autre jeunesse que Ben le cerveau parce qu'ils l'ont vu transpirer, scier dehors, crier contre le mensonge, pour le mensonge. Et ils pensent que c'est lui la jeunesse du Mali. Et ils pensent que c'est un révolutionnaire qui est un ignorant, quelqu'un qui connaît rien. Sinon, un Malien qui se tape la poitrine avec les Hezbollah doit être exécuté au Mali. Ne mérite pas d'être en vie. Adnan Yafo, Koni, il veut Hezbollah, quoi de là, ni Facebook, Bora Kalama, Obiga, page Blaoujila. Et ça, c'est vrai. Hezbollah est pire qu'Al-Qaïda. Hezbollah est pire qu'ISIS. Hezbollah est pire que toute autre organisation terroriste à travers le monde. Hezbollah a fait plus de mal que quiconque. Hezbollah a tué plus d'innocents que quiconque. Des femmes enceintes, des enfants, des bébés, des jardins d'enfants, des voitures piégées avec toute une famille là-dedans. Ça, c'est le Hezbollah. Ben, le cerveau ne le sait pas. Allez, toi, Kalama. Allez, t'as dans Hezbollah, Emi. Allez, qu'on va d'ici, bouger. Parce que Mali, qu'on ni des Maliens, tout coffre. Maliens, ils joignent. Ni même Mali, qu'on ni quoi, ils à Dakar. Mourou, Boudou, ils n'ont fait. Hal ni ko ki bita Dakar ki to bamako menata Dakar ou bien ta Abidjan paf malien complexera oye Mali de kuma te Liban ma ni ko bita Liban un pays où les enfants baisent leur maman aw be aketo quoi mais c'est très grave ben le cerveau ta kalama ko abe ni problème ni ngona ta don ko il est en train de mal finir c'est pas un Kémi Séba qui va nous convaincre. Kémi Séba peut convaincre un gars comme Ben. Il y a qui d'autre qui le suit au Mali? Aya Irana. Qui? Même Abdou Niang ne veut pas de Kémi Séba. Parce qu'il sait exactement qui il est. Un escroc, un vrai arnaqueur, un maudit de l'Afrique, un vrai enfant de pute. Qui sont les parents de Kémi Séba? Il ne va jamais vous parler de leurs parents. Et regardez la petite go qu'il baise. Et regardez la go de Kémi Séba. Celle qui l'embrasse en public là. Et regardez qui elle est. Vous ne voyez pas les dessins sur le visage de cette petite femme-là. Ben le cerveau ferait la Mali Marais. Mali on kanka Ben le cerveau fagadé. Ben le cerveau kanka fagadé. Mais abe faga. Parce qu'abe ni mounou tchè, oye, sora si nounde. Abe fait qu'on l'est intimidé. Kabe fait qu'il koko dans le koko là. Yann ou l'ouka coup d'état don tchè. Ouka assassinat flo flo avec Ben le cerveau. Parce qu'abe kabou. Avec son gabo, avec un faux balou, faux discours, en même temps, c'est un lâche. Il ne peut pas parler en surface. A ce qu'a comment décoder, Ben Tessé. Naya Korobo, la haine qui est dans sa poitrine là, cette haine va le tuer. Avec un temps perdu, d'un sou d'où nous fait. Frafina quoi. Nous sommes en train de perdre notre temps. On a assez perdu du temps en Afrique. Ni Moromi Sona. Ben kanka faga ni mo gomi maso ben kanka faga malikono ani mo ko site bi mais a dalen do ayre la ba ko noko abe se kanin congrès en kere octobre la ben kote kabina ka congrès ke abe ni de la ne ko ngo batuli nyang i jija ka do fra abdou nyang ka saraka ne pour le moment il a visé bien i ka do fra abdou nyang ka saraka batuli nyang il mérite d'être payé plus que les autres nyebere demu mu bi no fe kati 24 ba Olu den sugu do be yala la. Olu bena essayer ko be iba de sa kati 24. Ne te fe ale ba kati 24 ne kam soko te ku iba la. E bora muso mi kono ne kam soko te ku ala ne ta fe. Muso no golen de do. Patuli nyang ka ware wu hakli nyami. E be do avion ko ne te ta euro re France Dubai. Ite ka ni klen e États-Unis. Interge. Ite ka via.
Moi, je vis ici presque 25 ans. Un microbe comme toi, Cathy 24. Même avec pire que Batulignan, tu penses que tu peux m'approcher? Tu penses que n'est vidéo mandéa? Tu penses que n'est à autant on est là? Cathy 24. Non, moi je suis là, un système de récupération de mon pays, c'est tout. Apaiser tout, calmer tout, aider ma population, rester malien, aimer le Mali, au détail. Mais vous, vous n'avez rien. Il faut ma baraque, il bat ma baraque, il faut ma baraque, il faut ma baraque. Il faut ma baraque, il faut ma baraque. Aw ñebe war de la ne ñete war la ne ñebe dignité de la o de taw la o daw ka problème yi dignité taw la excusez-moi dignité de taw la aw de be ka Mali joli geleya aw de be ka nga jamana bla ni niveau ina mais ni ne wula je me yele de quoi ben le cerveau ki bina congrès de ke octobre la hali ku ki da de aka i ku ka ke surprise amans ki ki la je anyo de fayo ko jamate. Au cas le 14 janvier, Jama Abemimbi. Ne ma foi que Jama Téa. Au ma foi, mon foloir. Et le cas qu'elle a mis, mais elle a clé de bonna. Parce que tu penses que Kemi Sebaï, Negen, Ka Dadi Tuida, il veut qu'il a sa massissa, que Hezbollah, Liban, Ani Ira. Au moins, il était chaud à la Baya Hedrala. Na femme, il veut Irana à boire de boulot. Na femme, il était Irana dîner coffé. Ni dîner sera djé, ni slamea djé. Il y a Bédje, et Ben le cerveau, et Kafri de Glominade, il famille, Babe Glomi. Toute ta famille, à quoi d'où Bé Glominade? Et d'ailleurs, on a ni Baroute, et qu'on a foqué, et bé. Abe Wele Tchoko dit, fais une trop, et comment on appelle? Laïcité. Qu'est-ce que nous sommes là? Abe Nyang, il décortique, il y a Bibeke qui a la main, qui a répété, qui a la main, qui a répété, qui a la main. Abe Nyang, il décortique, a y décortiqué yéré yéré li. Mais n'ta do mou bonnet de bina blu nyanga. Nata, Fantaya, Barake Balia, Kani Beke Ninkama. Tout ça pour ça, Abdoul Nyang. Il fabe neni, il babe neni, sous ni clé, il be la gossi. Stoko soukou bebe foyma. Pendant que tu es même capable de te battre plus que quiconque au Mali. Pour le Mali. Mais tu as choisi ta poche. Tu as piétiné ta dignité, Abdou Nyang. Wari kama, toro kama. Iye keleng abandonné, iye chouni be. Deme bagati la, mokom gobi deme nyama dindo, horon dente. Ma chiti se ke deme, kabe klaka horon do deme maliko la, Abdou Nyang. A cause de toi, ben le cerveau ndo yi sera srobi. A cause de toi, rasabe kasola, remplaçanta la bama kokono. A cause de toi. Parce que il tue mais c'est pas grave à ma côté là tu fais rire et bien comme une numbo de ibabolo voilà y a blindang et qu'a donné bolo trop parce que n'est qu'à quelle qu'a guérini aoui n'est qu'à quelle était aoukamai n'est à qui la aouba don aouba shidon aouba c'est qu'à coquer au de kama n'est aouta kau kina fo nye moro gumba ou demek aou pousse aou katanye fe voilà ça anga faso kisi ni nyoroye anga je natako anga je shoniko anga je waruko. Ni mimi na niwari ya mine ka dumi kana boy ka sraka. Toro ya kono. Chete soro mba foka yi changer. Iki disi gusuno ye doni kwa. Me o chete kene kambi. Kara sa bwala. Ana nofe mugo dama dama ani iba iba boku mkonte. Parce que nebe ya aude, ne ya aude ka joye. Munu me fe maliga glan. Ne ulu ka jonde. Sino ne te fenko kumate o. Ah ah. Fenko kumate. Et comme mi ne retenir kalama États-Unis ko la rene ko me seigneur ko ro jango bi ne bilama a de bana aussi ka anga fasota ko di mauma dambete mamu na ben le cerveau na ngono no kuma kantu la joro tu la tayoro tu la fin tu ko ngolo ko no te malidon o mana wuli bi Che Guevara sini Modibo Keita sini ngene Nelson Mandela and so on ou te hada don ou be mamin ko. Des gens comme Sekou Toungara, des activistes, Toronyina, ou Flé Djama de Ouka problème. Aou de Bena Ouka Djama na Takab a Donou ma Koka Teme. Ne Aou ma Ou Bane na Mena Mouneke. Ni na ma Bane ni Kede Bena Mouneke. Est-ce que Aou Ba Don Kone Be Mali Don? Gode y problème ni. Est-ce que Aou Ba Don Kone Mali De? Ne Fembe Enyana Mali Kola depuis mes 6e na Fobi.
Est-ce qu'au bas donc on est pas corona oui? Parce qu'au niveau de l'écran quand même. Donc on te dénigre au restaurant, banni ni quoi que ma quoi. Ben le cerveau on bip banni, faut que tu bois une quelle qu'on a domi. Faut que tu fasses il fera domi mal là. Et je ferai tout pour que tu sois tué au Mali. Hein. De quoi ben pour qu'il gaffera. Parce que il est Hezbollah quoi de là. C'est le Hezbollah que tu veux amplifier au Mali aujourd'hui. Qui viennent nous massacrer des gens qui n'ont pas de pitié. Des gens qui n'ont pas de cœur. Dessous tout là, où tu es Hinamala, où tu m'as fait. Hezbollah. Un terrorisme mouvement bain. Et puis d'ici Gauchino de Yemala. Et puis d'ici Gauchini, Iran Taraye. Machita, il y a John de Nofe, Iran Maligono. Et ben le cerveau. Et tu crois que c'est quand un colonel nous menace, il y a tout fait. Tu crois qu'il y a un beau tandima, il y a un mardi, il y a une mafia, il y a un café en barou, il y a un café, il y a un gouvernement critiqué. Il y a un café de la CNT, il y a un baraque, il y a un décès de là. Et tu y a un mardi, il y a un ben le cerveau. Donc, coup d'état grincou, il y a un café, il y a un doigt. Quand il référait Kemi Sebama, Kemi Sebama, un homme sans dignité, un homme qui n'a pas de parents, un homme qui n'a pas d'honneur. Un menteur, un gueulard, un voleur, un arnaqueur, Kémi Séba. Un mal-né comme lui. Il a échoué en Côte d'Ivoire déjà. Parce qu'il est venu glorifier la Côte d'Ivoire davantage. En nous disant que quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu ne vois que l'image de l'Europe. Ça, c'est ce qu'on appelle persévérance. Ça, c'est ce qu'on appelle succès de la part de la Côte d'Ivoire. Un président en moins de 15 ans. Qui est en train de tout balancer dans la positivité. Kémi Séba n'a pas les mots. Il se plaint de la gloire de ce pays-là. Il se plaint de la persévérance, de la perfection, du travail, du bon boulot. Et quand je vois aujourd'hui qu'il y a des maires municipaux là, des gens de la mairie de la Côte d'Ivoire là, qui veulent mettre leur erreur, leur échec sur le dos de Ato, non! Ado est là pour créer de grandes infrastructures, pour maintenir les universités en marche, pour continuer à payer les fonctionnaires ivoiriens et faire la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est à vous, les municipaux, de travailler dans vos régions, dans vos villes. C'est à vous de travailler. Faites comme Ado, au lieu de les critiquer parce que vous avez été incapables de travailler. Parce que j'ai vu des jeunes gens sortir aujourd'hui, ils s'attaquent à certaines mairies de la Côte d'Ivoire. Qui n'arrivent pas à assurer, mais qui veulent mettre tout sur le dos des ados. Parce qu'il y a de l'eau qui ne coule pas très bien dans tes rues. Parce que c'est toi qui es incapable. Tu n'as rien demandé qu'on ne t'a pas donné. C'est toi qui as bâti campagne pour que tu sois élu, afin que tu puisses avoir ça. C'est pourquoi moi, je vais me battre pour que les candidats de RHDP là, puissent passer partout. Les mairies, la députation présidentielle, tout doit être RHDP. Parce que même les cyberactivistes de RHDP, là, même eux, ils sont des exemples aujourd'hui pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Regardez avec quelle façon ils sont en train de se battre pour sauvegarder la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu aujourd'hui l'Hadji Chérif présenter des condoléances pour cette fille-là qui appartient au PDCI ou bien je ne sais pas, à Laurent Gbagbo qui est décédé, à laquelle aussi je demande vraiment une seconde de silence. Et puis je veux présenter mes condoléances à sa famille à travers l'Hadji Chérif. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, mais je me suis dit, RHDP là doit continuer à vaincre. C'est à vous de battre campagne pour take over la Côte d'Ivoire. Si vous ne faites pas le take over en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Parce que ces maires-là de ces autres partis-là ont échoué. Ils n'arrivent pas à travailler municipalement dans leur zone et ils veulent s'attaquer à Ado pour ça, qui a fait des grands pas, c'est à vous de faire d'autres. C'est ça. Quand le grand fait du grand, là, les petits doivent faire le petit. Ado a fait le grand. C'est à vous, les municipaux, les élus des zones municipales, là, de faire des grands. Et vous, vous êtes assis ici, vous aussi, vous voulez aboyer avec le nom des ados. Vous voulez qu'ils fassent vos boulots pour lesquels vous avez été élus dans la zone municipale. Vous appartenez à la mairie. Vous êtes des maires. C'est à vous de travailler comme un maire. Si vous ne pouvez pas fermer vos gueules, essayez de faire autre chose. Et cédez la place à RHDP. Les élus municipaux de RHDP arrivent.
Parce que j'ai appris que les élections, c'est en fin de semaine, cette semaine même. Je souhaite du succès à RHDP, vraiment. Que la Côte d'Ivoire vote pour ce parti-là, quoi. Je ne suis pas là pour ça, pour le moment. Moi, j'attends les élections présidentielles. C'est ça qui est beaucoup plus important pour moi. Mais les minables là, qui sont en Côte d'Ivoire, arrêtez d'être égoïstes. Essayez d'avoir pitié de l'Afrique, quoi. Parce que nous tous, Africains, on espère sur la Côte d'Ivoire. Comment dirais-je? C'est la seule façon pour nous de nous exprimer en dehors de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est la seule raison pour laquelle on parle de cette façon-là. Arrêtez de nous dire qu'on n'est pas Ivoirien. Vous êtes ignorant lorsque vous dites ça. Nous sommes Africains. La Côte d'Ivoire appartient à l'Afrique. Et vous êtes en train de nous dire qu'on n'est pas Ivoirien, d'enlever nos bouches là, notre bouche dans votre histoire de la Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas quelque chose de particulier uniquement pour la Côte d'Ivoire. Hein. Ah non, 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 on se retrouve tous là-bas. Hein. Ça nous concerne. Vous ne pouvez pas nous écarter de la Côte d'Ivoire. Personne ne le fera. En tout cas, pas moi, Iba. Je ne veux pas écouter quelqu'un qui parle comme ça, un ignorant qui dit à un Africain, tu n'es pas Ivoirien. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu penses que tu es Ivoirien plus que moi? J'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Mais tu penses que tu es Ivoirien plus que moi? Tu perds ton temps. Qu'est-ce que je vais dire ici? Ben le cerveau, Kémi Séba, Nathalie Yamb, Franklin Yamsi, vous faites la honte de l'Afrique. Kémi Séba, tu ne peux pas intimider les putschistes du Gabon, tu ne peux pas. Tout simplement parce que la France n'a pas condamné le coup d'État là-bas. Vous pensez que c'est la main de la France qui est derrière. Ces gens-là se rendent compte que celui qui règne sur le Gabon ne mérite pas un troisième mandat parce que c'est un homme fini. Il est victime des AVC, tout comme Choguel, le Premier ministre du Mali. Mais pourtant, toi, le maudit Kémi Séba, tu supportes Choguel. Parce que nous voyons les propos de Ben. Vous êtes en train de faire en sorte comme si on veut faire que Libanais ou yé, Hezbollah yé, Ben Beka Fangawere sera mis de transition Fangawere, Ben Akila, le Kokora Sisan, Abseka Senda, Colonel Nukilika. Non, Ben, il veut qu'il y ait un gars. On se gêne, mais on a Jamana Negebe, on a Ante Yongontoui, et qu'on a ni Hezbollah ou bien Iranien ou bien Irissouye, Kebe Mali de Mine Fatila, et Nyama de Emi, et Kalambali de Kodombali de Afori, Amenan Siki Kilajea. Ah, le Mali, c'est très grave. Ah, j'ai une bonne directive qu'on a encore. Moi, je voulais juste parler un peu de tout ça là. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui qui était très rigolo de la part des Camerounais et par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Afrique, dans notre sous-région. Et je vais profiter de dire que c'est pas que je ne savais pas que c'était fake news, mais j'en ai marre de la lenteur même de la CEDEAO. Beaucoup de gens ont essayé de me convaincre que Iba, ça c'est fake news. Kanaboga Kumanango, non, il faut que je sorte. Je refuse que notre Afrique soit dirigée de cette façon. Nous ne voulons pas de putschistes. Nous ne voulons pas de coup d'État. C'est très simple. Pourquoi les sauvages ne comprennent pas ça? Batara Deontoko Famumuna. Coup d'État de fait Binganero. Jamana Bej. Anga Jamana Dembejera Kasaria Minta Kadobala. Bayi kɔgɔ da sariya min na mɔgɔ fila mɔgɔ saba mɔgɔ duuru ka n'o sariya sɔsɔ k'u bɛ fɛn wɛrɛ ladon an kun na o pilasi la ka sɔrɔ u ni fɛn ma na nafolotigi ma kudeta kɛ jamanaden mɛ c'est très grave ni sɔrasi mɔgɔ lankolon Asimi n'a ɲɔgɔnnaw bataradenw kana kudeta kɛ an ka jamana la mais moi je continuerai à demander aux jeunes soldats de s'imposer parce que aw y'a ye u bɛ ka min kɛ bi u taara bi Salif kan le général Salif Traoré ou je ne sais pas qui là. Ou Drabiak, parce qu'il a été ministre au Ibeka, parce qu'il était concerné par ci, par ça. Mais où t'es caché que Choguel Mine, où t'es caché que Yamoussa Kamara Mine, le grand voleur, Mika Chouéli Doni Benyana, Yamoussa Kamara qui a volé plus de 11 milliards, 29 milliards pour ne pas aller très loin, dans les caisses de l'État à Bakoumfene. Denta bulufui na taba denya la kisi ki kaluneti do kale ye bangu manakaye. Donc na le taraka jouson na ye jouson wale oke aba kuna obi marche o selen o Asimi ula. Il est le conseiller spécial de Asimi Goïta. Yamoussa Kamara. Asigile mbe ye aye Mali chouen. Ka bo ka batara kanfa ye ko iranien, ikranien do de apananga 11 milliards ye. Mais ça c'est pas vrai. Ngo Kassim Tapo de anjini nga bora ka fo. A tu sais ka contester. Yamoussa Kamara ye zone ye. Obe Asimi kerefo o mamine.
Ou bien Dabadéa, là, ou bien Général Salif Deminé. Ni Salif ka élément ou fene sona ni ka ke Mali kono ou nyana sans verser sur kamikaze ka Asmina ka colonel ou éliminé. Na ou fene desero la, c'est que ou fene te tchaye. Na ou ye Salif ou Tony Djamfa bou la ou te tchaye. Ni armée ma faraflaye Mali kono joli ka ou yo. Anga jamana ka segi jamana de yere yere ou ma, ou te tchaye. Ne fene sigi lenka ou la jye. Ou ye sorasi chukou jmeye. Ou be son ni ka ke jamana in kono. Asmi be ki denka ofisio mine kelengele. A beaucoup d'enka ou kanye moko ou bosha ou la kelengele. A ou sonen do ma. A si ni desera zona. A pta salif de mine. Une fierté. Quelqu'un qui a servi le pays avec honneur. A ba ou sigi ore kato asimi bolo. Ko kaso. Les éléments de salif, le général salif. Ne a ou ma bo kanin keleke. Nintene ka video si jaye bide. Ne ba foka soumaya ka dayan. Parce que ne mena kumakan. Ça c'est inévitable. Les jeunes soldats doivent prendre leur destin en main. Les jeunes soldats du Mali doivent libérer le Mali des mains de ces vagabonds putschistes. Nous sommes bandits ou des. Nous avons dit que 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 jeunesse ou quand même ma kono lubina jeunesse mi bina au jeunesse de fleur ka bo ku ka wari ta choko dénoncer bi malien benyana ben le cerveau ya faux. Hal na be ka toko nyina yere me ay toko nyina yere ni chien de aw me ka chien mi fo na onte la main na fora ko general salif fene be mine bi ko soldaté mi me se ka boka general salif ku mabo o ku mama libe tami aw be asimi de toyo ka avancé asimi fandu me hero a fandu me panafricain ngo ben le cerveau da de a wele ko panafricain abado panafricain re mia nuru me mundo mali ko la les éléments de général salif na mabo fembe ka wera la ya. Général Werebe Mine, colonel Werebe Mine, parce que Amadou Keita Boubolo, général Goïta Boubolo. Nous nous sommes en train de faire ou bien élection yini de la ouire, ou bien transition prolongée, ou bien basse, ou bien tout marala, ou bien tout marala, anga armée abemi, ame armée mindo, mali armée abemi. Mais come on, mais, ou bien anga anga jamana danga quoi. Aye bo, ou bien asimi foro kari, ou bien neka do kasola. Un point entre, ou bien ou bien faga. Ambo de ngini malikola. Na o tese ka ke se pa la peine malita ambolo. Ali to do gaula. Na o desele ndo la dro malita ambolo. Te faux profil Djabi. Non non non, faux profil to Djabi. Non, te faux profil Djabi. Donc les éléments du général Salif aya o fara ñokon ka bataillon la wéréw bé munu nga ñem ko tubulu aya o fara ñokon ka ambe ka aw de kono mali dulone be aw de la mali be coup d'état mi fait le coup d'état le plus succès le coup d'état le plus héros le coup d'état le plus digne mali be ko de kono bi pour que galon te galaw ku mbankun aw de soldat yi aw ni ala ni kracha aw ñe bala fe fe be ka fon nu fe abé galoy depuis nono be galon te galani mo ko miné. Mogo mogo ni be fe ka Mali inclan ni tagalan ke mogo mine il la ba e mi be kan ko don et fe ka Mali glan et Mali glan ay donc ne be jeune officier wara wele ne be jeune soldat wele ay ko vi sacrifier au faso e ay yo de foko sa ka usani malo e bon Mali be ka malobi warte sungurumba mi ma mi ma bon Mali na folo be kata ka dul de mo be ka sanin ke nay no benendo au ma okuma menda de kabo kele kono na u benente oka na u koko mali ka kisi ko sa ya ka usa malo ye mali ka malo au be sa o te ke bidia o bodo yi asimi ka fanga kan ka dafri le mali a besoin d'un coup d'état spectaculaire coup d'état mbela kali coup d'état mi mi fanga be buyani 26 mars coup d'état yi coup d'état mi mbela kali ambe ka au de kono asimi ka fanga yi au ka jinga bwandala hero te ou te fendon koi ou na ou chama e keleke sur le terrain au boudon ou bora dami fe au badon ni au desara ka nunu mine ou ba ko nyemo ko be mine an kilengele nunu mana somi mo mo la obi mine somina do re tere ou ka e dron ko e barakela ou be chien ko no chien de kadi e ou bien element be e ko wallahi ou bi mine na ma wuli ka asimi mine mali tambulo
Ni nin tɛmɛna tile fila kan, walahi Mali t'an bolo. Ni dusu t'aw kɔnɔ, ne bɛna ka dusu don aw kɔnɔ. An k'an faso bɔsi. Ni ne tun ye soldat de deuxième classe ou première classe ye bi, walahi de Ala ye, ne bɛ sa, mɛ ne tun bɛ Asimi faga. Marifa min bɛ ne bolo ni bali b'a kɔnɔ, ne b'a ci a la, ne ka sa, Mali ka kisi. Parce que ni Mali marali man kan, wuluden de don, n bɛ n kali Ala la, a fa y'a yɛrɛ faga Asimi de kama. A ma sɔn ka balo, a ma sɔn a ka furakɛ. A ma sɔn ɲɛ ka d'a kan. A sara k'Asimi to yɔrɔ jumɛn? A y'Asimi ɲininka. A sara kɔndisiyɔn jumɛn na? A ye taa ɲininkali kɛ. Ni mɔgɔ bɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ aw ye u ka du kɔnɔ. Asimi fa tɛ Asimi ko la dɛ. Parce que Asimi fa b'a dɔn Asimi ye Mali janfa. Asimi ye Mali janfa dɛ. A ye layidu min ta a m'a timɛ. Ni aw b'aw sigi n'aw ka Mali sɔrasi fini ye aw kana. Mɔgɔ min ye jamana layidu sɔsɔ sɔrasiya kɔnɔ, ko sɔrasiya sɛriman de b'aw to aw bɛ ka dɛsɛ ka Asimi n'a ka kolonɛli tɔ ninnu faga k'u bɔ an da la. Ne bɛ n yɛrɛ ɲininka aw ka bɛ sɛriman jumɛn ma? Aw ye jɔn ye Maliko la? N'aw siranna Asimi ɲɛ, an b'a ye bere rouge tɔgɔ tununna, bɛɛ tɔgɔ tununna, force spéciale don ta bɔ ta, ba taara denw kɛlen ɲɔgɔn kan, mɛ muso de bɛ k'aw gérer. Muso de bɛ k'aw gérer, muso bɛ k'hali tenintigiw gérer, muso wɛrɛ tɛ bila a kɔrɔ, muso sunkurunba. A ba ye min kɛ, a y'o ɲɔgɔn de kɛ ka cɛw jigi tigɛ. Ka cɛw janfa. O sungurunba de filɛ nin ye, miliyariw talen don ka d'a ma aw ka budget kɔnɔ. Wari min kan ka lasigi Mali kɛsu kɔnɔ. An ka Mali jɔ n'a ye. Aw sigilen ka Asimi lajɛ, a bɛ ka don kɛ n'o ye kɛnɛ kan. Aw tɛ bɔ ka Asimi kaya tigɛ. Sɔrasiw, aw bɛ ka mun kɔnɔ? Polisiw, aw bɛ ka mun kɔnɔ? Gendarmerie, aw bɛ ka mun kɔnɔ? Aw ɲɛ tɛ hali prison civile gardien bɛ ka bɔ ka min fɔ bi? A ka bon hakili ma. Bin kelen don Mali kan fan bɛɛ fɛ. U bɛ k'u disi gosi ni General Salif Tarawele de minɛli ye, alors que Yamusa Kamara bɛ liberté la, o de dɔnnen don ni sonyali ye. A muso de ta ye Mali dépôt boisson bɛɛ ye. A muso ye sunkurunba de bilakoro de b'a muso jukɛ. Den tɛ foyi tɛ, nafa t'a ka furu la, nafa t'a ka généraliya la. Ni président min nana a bɛ taa nafigi denya k'o kɛrɛfɛ, General Yamusa Kamara, pour que ale ka to kɛnɛ kan. U bɛ k'an ka cɛkisɛ cɛw minɛ. Dayiru ninnu dabɔra kuma la. Generaliw tɛ ka se ka kuma Mali kɔnɔ. Bilakoro de sigilen bɛ. Experience t'a la. A fa fila minnu y'a forme a bɛ k'olu de minɛ k'u don kaso la k'u humilier k'u bɔ u ka denbaya kɔrɔ. Mali bɛ taa si kɛ nin na. Ka maliyɛn bɛɛ kelen kelen minɛ. Politisiyɛn tɛ to yen. Diinɛmɔgɔ tɛ to yen. Aktivisi tɛ to yen. Tiyatiribɔla tɛ to yen. Dɔnkilidala tɛ to yen. Tenintigi tɛ to yen. Ninnu bɛ bɛɛ minɛ. Fo ka na kɛ ni mɔgɔw b'a kuma u b'a fɔ ko nin kuma na u bɛ fugulan don n kun na ka taa nin ye bɔrɔ kɛ n kun na. Comme si sɔrasi tɛ Mali kɔnɔ. A n'aw ba cɛ Asimi ye serment respecté. Aw bɛ serment jumɛn respecté? A f'aw sirannen don ka sa. Sinon bi ninnu fagali ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye. Nko de kama Asimi b'a dɔn ko cɛ dusubaw bɛ Mali kɔnɔ. Nko de kama a tɛ taa yɔrɔ bɛɛ. Nko de kama a tɛ kuma. Nko de kama a tɛ se ka kuma. E bɛ kolonɛli duuru ninnu jɔn ye kuma la. Bɛn de bɛ bɔ n'u ka sekɛrɛ ye. Seku Tungara de bɛ bɔ n'u ka sekɛrɛ ye. Ɲamaden wɛrɛw de bɛ bɔ ni ninnu ka sekɛrɛ ye. U yɛrɛ tɛ se ka kuma. Min ye tiɲɛ u tɛ se ka bɔ k'a fɔ malidenw ye. Hali aw ka dirpa tɛ se ka kuma. Fo ka taa ka ne kɛlɛ jama la ka tila ka t'u da so kɔnɔ u ka birifini jukɔrɔ ka ne lamɛn. Ko Iba bɛ ka kuma. Iba bɛ ka tiɲɛ de fɔ. Munna aw tɛ agi ni Iba bɛ ka tiɲɛ fɔ? Tue Asimi. C'est plus facile que ça. Ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan. A k'an bɛn. Salut.